Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la Yux Sim Racing TV, je m'appelle Ugdersin. Aujourd'hui, on va continuer l'exploration sur Assetto Corsa, premier du nom, avec les circuits de 1988 et les voitures de l'époque. Toujours avec cette Ferrari 641, pilotée par Alain Prost et Nigel Mansell. Aujourd'hui, on va partir sur l'un des circuits aussi mythiques avec Spa-Francorchamps, on va partir sur Monaco. Vous verrez que c'est assez compliqué. Je vais peut-être parler des deux premiers tours et puis après je vais certainement rester silencieux parce que cette voiture sur Monaco elle demande beaucoup de concentration. Je dois faire attention à tout ce que je fais, à la façon dont j'appuie sur la pédale de frein, à la façon dont j'appuie sur l'accélérateur. Donc on va rester concentré au maximum et essayer de vous faire quelque chose de propre pendant une quinzaine de tours. Alors je vais charger mon setup. J'ai pas touché à grand chose, juste le différentiel pré-charge. J'ai touché aussi au buté à la hauteur des suspensions, j'ai relevé un peu la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai raccourci un peu la boîte aussi parce que je trouvais qu'elle était longue. Donc voilà, quelques modifs pour garder la voiture sur la piste et avoir un contrôle presque idéal. Alors nous voici à bord de la Ferrari 641. Alors les deux premiers tours, calme dans le premier tour parce que les brumes seront froides. Et ensuite je vous laisserai profiter et de l'ambiance du circuit et du fameux V12 de cette Ferrari. Moi je vais essayer de rester concentré au maximum parce que ce circuit est extrêmement compliqué. Voilà, on est en pneu froid. Allez, on est parti pour un tour du circuit de Monaco, ligne droite de départ, direction Saint-Devot, virage qu'on prend en deux, on réaccélère, beau virage ici à fond, ensuite freinage en 4 pour Massenet, voilà, on se dirige vers le virage du casino en 3, on descend vers Mirabeau. En 2, ensuite on dirige vers l'épingle, les grands totales est repeint. Et là on met la première, c'est extrêmement serré. Ensuite Mirabeau bas en 2, voilà, on se dirige vers le virage du portier. En 2 aussi, alors ligne droite sous le tunnel, enfin ligne droite pour un freinage, on passe la 7, freinage ici pour la nouvelle chicane, on passe en 2. On réaccélère pour le virage tabac. En 4. Ensuite, on va vers la chicane gauche-droite du Chiron. Voilà. Et ensuite, vers la chicane droite-gauche. Virage à la piscine. On réaccélère. Troisième. Et la rascasse en première. On réaccélère. Virage ici à droite, moi je passe la deuxième, Anthony Noge, et voilà, on a fait un tour sur le circuit de Monaco. Allez, moi je vous dis à dans quelques tours, j'essaie de faire quelque chose de propre et de rester concentré.
pas passé la, la 3 entre Mirabeau et Portier. J'ai fait la boulette. Un peu tard. On est passé sous la minute 30, une 29, 485. Bon, le but n'est pas faire du chrono. Et à mon avis, ce chrono doit être nul. C'est juste de laisser profiter un maximum du circuit et de la voiture. Je peux vous dire que ça paraît peut-être simple à l'écran, mais j'en chie.
Stop. La voiture qui a glissé ici à la rascasse, mais je l'ai rattrapée. Ah ouais, ici ça pardonne pas, hein, c'est le mur direct. Un peu large ici. Une 27, 686.
moto qui est partie ici. Un virage de la piscine, mais rattrapé. Cette voiture, l'accélération, c'est compliqué. Ça envoie du pâté. Heureusement, j'ai su freiner à temps pour la récupérer. Ce virage en plein virage de la piscine, dans cette chicane, ça va, j'ai rien touché. Allez, je vais encore faire 2-3 tours. Ouais, les pneus commencent à s'user, on le sent. Aussi, je commence à fatiguer comme les pneus. Franchement, c'est pas évident, faut être concentré tout le temps. Allez, on va encore faire 2 tours. Pas beaucoup de plaisir. De cette voiture, c'est hallucinant, c'était des grands malades. Allez, un dernier pour la route.
j'ai vraiment du mal à sortir de la piste tellement je prends du plaisir. Allez, on rentre autour dans les pits. Voilà, ici à droite, direct. Et voilà. Par contre, je sais pas si nos pit boys sont là, je sais pas s'ils le mettent. Non, je vois pas, on arrive au bout. Allez, on va garer l'auto ici. Voilà. On va sortir, comme ça on va pouvoir s'entendre. Ben voilà, présentation du circuit de Monaco 1988. Avec cette Ferrari 641 si particulière à piloter. Donc voilà, j'ai un grand plaisir à vous présenter ce genre de circuit. Dites-moi si vous avez aimé ça. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, commentez-la, laissez un pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt sur les circuits. Ciao, ciao!